Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je peux saluer le ministre Kilayo avec tout directeur général qui est sous panel là et tout l'autre membre du cabinet technique qui là qui a travaillé dans la cause identification nationale ça. Mais d'une façon particulière matin, je prends un petit temps pour me dire deux petits mots à la presse. Monsieur, dame, sans nous, travail ça, non seulement le pape a abouti, mais sans nous-mêmes, parole ça, pape a arrivé trop loin. Son façon pour me dire nous pas des bureaux pour nous planifier, mais nous avons une importance capitale, notre travail ça, qu'a fait là. Alors, c'est une façon tout pour me dire nous, à travers tout le monde qui travaille sous COSEA et nous-mêmes dans le ministère des cultes, nous baissons chabon bien bas pour nous dire nous merci. Non seulement parce que nous l'amateurs, mais parce que nous n'avons pas accompagné le processus ça, pour que les paysans s'améliorent les côtés liés dans l'arrière-pays, pendant fin mon nom, pour que au moins à travers les médias quelconques, lui arrive lui-même tout conscientiser notre question d'identification. Nous pas sous-estimer, et sont question que nous pas capables de sous-estimer, la question de l'identification en Haïti. Lui poser problème, et c'est justement qu'on y a essayé de ramasser toute question dans tout compartiment pour nous capables d'arriver des pays ça, sorti ou bien aider monde sorti dans l'anonymat. Nous-mêmes, le ministère des cultes, et moi personnellement, en tant que directeur général du ministère des cultes, nous disons merci parce que vous faites appel à nous-mêmes en dans question. Ça démontre, je dis, que tout le monde prend conscience et comprendre que pays ça, ministère des cultes, il est plus loin là-dedans que tout l'autre ministère parce que pas gagné une habitation, il y a la cour, pas gagné une caille qui existait, pour que les gens qui aiment dans la cour, qui aiment dans l'habitation, ou bien qui aiment dans le caïla, pour ne pas prêler un bagage quelconque. Mais c'est pas bon Dieu, c'est Allah, mais c'est pas Allah, c'est Ezili, mais c'est pas Ezili, c'est Seigneur. C'est-à-dire que le ministère des cultes arrive plus loin. Et je dis à nous conscients tout, de mission nous, la question identité nationale qui a parlé là, pour que nous motivions chaque organ, chaque pasteur, chaque paix, chaque imam. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui en dans un secteur quelconque, qui a pratiqué un culte quelconque, eh bien, nous gagnons pour nous chita, pour nous parler avec elle, pour nous motiver. Et lui-même, pour que lui-même qui a pris micro, pasteur ça, paix ça, et qui a pris micro, ou le vaudouisant, qui a fait danse, etc., et qui a réuni 3000 monde, 2000 monde, 400, 500 monde, etc., pour que, à travers service, à travers visite que nous avons fait la caillou, yo même tout pour yo approprier yo de questions ça, pour que nous arrivions, eh bien, doter si moun nous, de identification, depuis la naissance. Et c'est l'arrivée de niveau ça, pour arriver à identifier moun yo depuis naissance jusqu'à ce que yo mouri, nous capables de dire c'est le ça, nous capables de dire vraiment, nous faisons une œuvre importante. Donc nous-mêmes qui ça n'a pas tant, n'a pas tant premièrement collaboration tout le monde, et nous promettre collaboration par nous la question, pour que au moins dans 10 ou 20 ans, je ne vais pas parler de petits haïtiens qui n'ont pas de baptiste, qui n'ont pas de carte d'identité, qui ont des problèmes pour identifier propre tête. Et nous attendons tout, surtout de la presse, que nous véhiculons les questions, que nous parlons des questions, que nous commentons les questions, pour que au moins plus de monde, pour ne pas dire tout le monde touché des questions, dans la profondeur, dans l'importance, et bien pour nous arriver, et bien une fois pour toutes, et bien by pays ça, et bien nous cadre. Dans le pays, ça, il y a une banque de données
côté que vraiment tout le monde est capable de gagner une possibilité pour identifier tête yo tout partout côté passé. Merci. Moi salue le ministre qui est là, moi salue le directeur général qui est là, moi salue la presse en général qui a couvert l'événement ça. Non pas moi c'est Paul André, c'est le président de la Fédération nationale de Kazakh d'Haïti, FENAKA. Et leur parler de FENAKA, ouais, tout le pays d'Haïti parce que c'est l'association de Kazakh, tout le pays d'Haïti. Qui en da FENAKA. Responsabilité, rôle nous gagnons dans le programme, non? C'est FENAKA lui-même gagner responsabilité à travers Kazakh, tout le pays d'Haïti, pour que nous fassions sensibilisation. Pour nous rejoindre dans toute habitation, dans toute section communale, dans toute localité, pour nous mener à aller faire acte de naissance pour si tout possible là pas de jambes gagner gratis et pour nous inviter à aller faire carte d'identification nationale parce que section communale yo c'est pas un pile monde qui t'est fait et nous mobiliser pour ça et nous sensibiliser peuple là pour ça qui ça nous fait. Chaque section communale gagne une ou deux ou trois mégaphones pour que yo arrive à sensibiliser le peuple, paysan. Et côté nous, Yekolia, nous déjà soumettre by ministère de la Justice environ 400 clercs. Sous 772. À rappeler, c'est 772 clercs qui ont sorti dans la section communale qui proposé par Kazakh pour que yo capable plus près population pour problème d'identification fini résoudre une fois pour toutes. Responsabilité nous n'apprenons et nous faisons, n'a fait sensibilisation, n'a continué à faire comme tout le monde connaît dans le mois de décembre qui s'est passé à tant que nous avons dit. C'était un mois de s'élever. Paysans n'ont pas de venir avec volume, paysans d'attendre pour que aller faire administration avec carte d'identification. Ils n'ont pas de arriver. J'en nous-mêmes fait la carte suite là. Mais nous-mêmes, pendant toute Kazakh dans le pays, à travailler au jour le jour, à faire sensibilisation, motiver les gens pour qu'ils fassent carte d'identification avec acte de naissance gratis. Et je dis pour tout le monde, je profite de l'occasion pour que pour me dire officier d'état civil, pour que vous vraiment accueillent bien clerc ça qui prend le travail pour résoudre le problème carte d'identification nationale là. Alors avec acte de naissance, et, alors ça veut dire Baptiste, une fois pour toutes. Nous-mêmes n'avons pas responsabilité nous. Et si il y a des questions, nous pourrons pour nous répondre. Merci. Je dis bonjour tout le monde. Salut collègues ministres, directeur général, président FENAKA et tout cadre ministère communication, culture et communication. Je salue tout le monde de la presse, tout téléspectateur, tout auditeur, tout le monde qui est en ligne, qui est branché. Je souhaite une bonne année électorale. Jean-Noël là, je salue l'exécutif là qui sorti décret référendaire là, qui adopté le Conseil des ministres le 31 décembre 2020 et qui publié le moniteur le 5 janvier.
Suivi de ça, il y a KEPA qui présente le calendrier électoral. Il y a un premier référendum pour une nouvelle constitution, la date 25 avril 2021. Ensuite, il y a un premier tour élection présidentielle et législative qui a fait le 19 septembre 2021. Et ensuite, deuxième tour là, pour présidentiel avec législatif, et puis élection municipale locale qui a fait le 21 novembre 2021. Et pour conclure, on a des résultats définitifs élection SAIO le 22 janvier 2022. De côté par nous, au niveau task force identification, le travail continue à renforcer. Faut me dire tout, faut me féliciter toute entité, que ce soit ministère de la Justice avec département officier d'état civil avec clerc. N'a félicité ONI, ministère culture et communication, la poste, toute entité qui travaille pour faire identification arrivée dans la zone toute haïtienne natif natal. Un cadre ministère justice, officier d'état civil avec clerc, le bilan que vous présentez, il y a déjà sous 130 000 baptistes, nouveaux baptistes qui ont été faits. Ça, c'est à travers tout le territoire. Au niveau de presse nationale, déjà, il y a 900 000 formulaires de naissance qui déjà livrés à ministère de la justice et 3 000 registres qui livrés à ministère de justice, encore une fois, qui livré à commissaire gouvernement et commissaire gouvernement fait distribution avec officier d'état civil avec clerc. Au niveau des archives, Jean directeur général archives là te dit monsieur Wilfried Bertrand gain un plan pour 43 000 archives qui va distribuer. Opération ça a commencé depuis le 4 janvier et depuis le 4 janvier, nous avons dit que il y a environ 3000 archives qui sont déjà distribuées dans la zone Mabiol, dans le département sud-est, et qui va la poursuivre et nous avons une chance pour nous voir, pour nous avoir un bilan de DG et de archives la semaine qui vient là. Nous allons passer la parole à directeur général ONI, M. Jacques Elibert, qui va nous faire un bilan de 40 jours avec Journée nationale livraison. Merci. Merci, merci pour l'accueil que nous avons matin. Merci pour le ministre. Je salue le ministre, je salue le collègue, le directeur général qui est là, et le président Azek. Là. Et je salue la presse. Et puis je salue la presse. Et comme tu as dit vraiment, nous jouons un gros rôle. Je vraiment apprécié la présence nous. Et parce que nous connaissons nous jouons un gros rôle pour passer et faire formation à la population. Et je profite de nous tous, meilleurs voeux, bonne année à nous toutes et à la population. Mais on a parlé de services que nous baillons à la population. Depuis la campagne là, t'es lancé. Nous avons lancé une campagne depuis de 40 jours pour nous faire enregistrement et livraison. Donc, dans 4 ans, nous avons fait à peu près de 400 000 enregistrements et nous avons environ de 300 000 cartes que nous avons livrées. Mais nous avons fait une campagne spéciale le 26 et le 27 décembre qui permet nous à approcher, voyez texte, message, SMS sur plusieurs téléphones mondiaux. Nous avons voyé 500 000 textes, par exemple, pour le week-end 26-27 là. Et nous avons arrivé à descendre de millions que nous avons dans le menu. Nous avons profité à descendre à 800 000 cotes qui étaient dans le menu pour nous remettre à la population. Donc, nous pensons que nous avons fait un gros progrès sur descendre que nous descendons bilan ça, sur cotes qui étaient dans le menu. Mais cependant, nous avons toujours besoin d'être agressifs, nous avons besoin d'être avec vitesse pour nous remettre quatre, parce que plus que y aurait été nommé, c'est plus qu'il y a pas ajouté. Parce que c'est chaque jour qu'on a enregistré nouveau,
pour mettre dans le système. Donc, nous allons retourner dans le milieu. Donc, nous allons continuer avec SMS. C'est chaque jour qu'on envoie SMS, mais nous allons continuer avec un gros lot de 500 000, de 600 000, pour nous voir si nous sommes capables de faire, pour nous récupérer les cartes. Avec plus vitesse. Donc, nous avons pensé à faire ça chaque week-end, peut-être commencer l'autre week-end, nous allons faire une planification ça pour nous faire une journée de livraison, deux journées de livraison chaque week-end pour nous capables de retirer les codes saillants pour faciliter bail et les codes saillants. Mais c'est chaque jour que nous faisons livraison, c'est chaque jour qu'on a fait enregistrement dans tout sentier, avec un tout mobile, que nous facilitons mon lieu à joindre, pas seulement dans la métropolitaine, non, mais à travers le pays. Dans toute section communale que nous avons, nous avons mobile, que nous avons fait enregistrement et nous avons remis le code, ça. Donc, ma profite dit, pas oublier, peut-être c'est parce que nous avons dit, pas oublier, c'était gratis, et servir ça, tout ça, on y fait, c'est gratis. Donc, pour ne pas penser que nous allons payer pour nous recevoir quatre là, nous pas payer pour nous faire. Donc, c'est peut-être ça qui t'a aidé nous à remettre les cartes à part de SMS que nous t'avons envoyé. On a toujours pensé de l'autre stratégie pour nous mettre en place, pour nous rapprocher avec les populations plus près, pour nous capables de bailler. Donc, nous travaillons avec le président Azek Laboussa, pour lui capable d'aider nous à rapprocher plus près la population, parce que c'est eux-mêmes qui sont souterrains, qui va faire communication avec la population pour nous, pour nous capables de bailler plus bon service dans l'ONU. À part le bilan que nous avons fait pour 40 jours, là, nous allons lancer une idée que nous avons de robocall, si vous avez parlé de ça. Nous allons lancer un robocall côté un appel tout. Donc ça veut dire que si vous pas joindre un SMS, vous avez joindre un appel qui va bon un message qui veut dire à quoi cap la côté de l'appel là, il n'y a pas de là pour capable de joindre. Donc, pas oublier tout appel qui fait dans ONI ou bien tout appel qui fait à ONI, nous avons le numéro 8822 qui sont les doléances. Pour relayer, pour demander ça qui passe, je ne sais pas si j'ai 4 moyens. Qui j'aime capable de jouer 4 là? Pour l'opérateur, capable de pour dire que ça qui passe, est-ce que tu es bloqué dans le système de vérification? Ou bien est-ce que c'est une mauvaise location liée? Nous allons chercher, nous allons voir pour nous, nous allons dire qui côté pour venir récupérer 4 là. Donc, 8822 est un lien qui est important pour capable communiquer avec ONI pour dire qui ça qui passe ou pas pour capable de jouer 4 là. Donc, ma profite dit que et ligne ça a marché très bien, SMS ça a marché très bien, nous pensons pour un robocall qui va marcher extra bientôt. Donc, nous avons continué à servir sa population. Toute stratégie que nous mettons en place, c'est pour nous capables d'aider nous à joindre code là, parce que c'est important, non seulement pour la date que le ministre se baille, mais demain matin, on a besoin de code là pour aller dans la banque. Par exemple, parce que c'est comme ça qu'ils ont besoin pour régler toute affaire financière d'après le décret qui était sorti. Donc, ça veut dire que quand là, important pour tout le monde, quand là, non, mais, si tout citoyen gagne quand ça, non, mais, pour qu'il régle toute affaire financière ou bien identification que lui besoin fait. Donc, m'a passé la parole à Fenaka. Et puis, on apprend une question après, si il y a aucune question pour nous, et nous ouvrons la question. Merci. Merci tout le monde qui est venu là, le ministre Guy François, qui a coordonné la campagne, le directeur général ONI, qui a joué un rôle fondamental dans le rallye. Directeur général et M. Libert, M. Souffrant, et puis Fenaka, M. André. Nous, tout le monde, ça, c'est le monde qui se joue un rôle fondamental dans la campagne nationale d'identification qui lance là depuis les 40 derniers jours. Nous rappelons encore que la campagne, ça, contexte, c'est que c'est le président pays lui-même, son Excellence Jovenel Moïse, qui lance lui-même au cours du mois de novembre. Et qu'on y a nous-mêmes, rôle nous, c'est atterrissage là, n'a fait. C'est atterrissage politique là, atterrissage technique là, atterrissage au quotidien de décision
politique. Alors, décision politique là, il prend à qui moment? Il prend dans le moment côté président Rani Kot, et c'est un bagage qui là depuis plus de 200 ans, pays a existé, côté où il y a 27% de la population qui n'a pas de pièce d'identité, il représente environ 3 millions. Et donc, ce qui fait automatiquement 3 millions de monde qui exclut. Et DG souffrance, je parle tout à l'heure de monde qui vivent dans l'anonymat. Moi-même, moi, parce que c'est en français lié, mais en créole, moun sa ou ka vive sans pièce d'identité. Donc, dans l'anonymat, yo, Léo, c'est des moun qui dehors. Yo exclu. T'es pas dans la société, ya. Parce que techniquement, depuis ou pas gon pièce d'identité, ou pas gen nom, depuis ou pas gen nom, ou pas existé. Et c'est ça, nous t'ai dit dernière fois. Et ça qui est bizarre dans la société noire, permettre de faire une petite extrapolation tout petit pour rappeler que la société a bon sens pour banaliser les gens, tout gens. Premièrement, par un aller à l'hôpital, il fait petit lui ou bien il fait dans n'importe condition qu'on est, parce que la société a été consaliée. L'elle finit, pas gagner pièce d'identité, il n'a pas songé bal non. Il n'a pas songé à faire acte de naissance, il n'a pas songé à faire baptiste. C'est son premier façon drôle de banaliser les gens. Et donc, il grandit du coup dans l'anonymat ça. Nous, tu as parlé tout à l'heure. Mais deuxième façon de banaliser Mounio, ça sont l'autre façon assez simple. Ou aller devant officier d'état civil, devant clerc ou chita, ou balnon, et puis il fait faute la donne. Mais ça pas banal du tout qu'on fait faute dans nos moun sur une pièce d'identité. Au lieu d'écrire Jacques Elibert, E-L-I, il doit écrire Elibert, s'il veut. Il doit écrire Elibert avec H, Sylvie. Et c'est ainsi qu'on a un paquet de la famille qui perd du famille pratiquement parce que on a une banalisation qui fait même dans l'orthographe dans le monde. Et donc, société, on va regarder bien son société qui t'a mérité ou commence à zéro. On fait même de là, même de la naissance, de valoriser mon nom par nom et par pièce d'identité, de respecter l'identité, l'orthographe d'identité et que lui-même tout lui continue à assumer. Donc, c'est ça le combat actuel qui a mené dans le cadre et décision que le président Jovenel prend récemment. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons une vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.